D'abord, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue et vous féliciter d'avoir affronté les conditions climatiques défavorables. Donc on va se tenir chaud et c'est pour ça qu'on a prévu de vous distribuer quelques éventails. Et on est réunis ce soir pour parler, pas spécifiquement de John Eurocamp, dont nous avons le plaisir d'organiser cette exposition, mais à partir de cette œuvre particulière, essayer de réfléchir ensemble à la question à la fois des mathématiques, de la métaphysique et de l'art, qui ont une relation évidente. Et j'imagine que vous vous êtes rendu compte qu'on va être plongé dans un abîme de perplexité dont on va essayer de s'extirper, tant bien que mal. Et cette perplexité est quelque chose qui est assez, disons, naturel quand on aborde les sphères de l'art brut, en particulier parce que il faut au préalable souvent admettre l'idée que les questions sont parfois plus intéressantes que les réponses, et pourtant on va essayer de déblatérer et d'apporter un certain nombre de réponses. Et d'autre part, ça requiert, alors que c'est un formidable terrain de projection, c'est peut-être parce que c'est un formidable terrain de projection que ça requiert peut-être d'agir avec encore plus de tact et encore plus de circonspection et de retenue quant à, aux conclusions hâtives qu'on pourrait en tirer. Et pour ouvrir cette table ronde, j'aimerais d'abord donner la parole, d'abord remercier les participants d'avoir bien voulu eux aussi se prêter à ce jeu. Et Gaël ne pouvait pas vraiment y échapper puisqu'il avait déjà accepté d'assurer le commissariat de cette exposition. Mais je remercie en particulier Jean Deloisy qui a bien voulu se joindre à nous parce que ce sont des obsessions dont il a déjà montré par le passé auxquelles il n'était pas tout à fait insensible. Et Laurent de Robert qui me paraît tout indiqué aussi pour offrir de nouvelles perspectives et des prolongements à ce débat avec... Son travail quand même obstiné, lui aussi, qu'il fait sur les mathématiques existentielles. Mais peut-être que Gaël va commencer par ouvrir le bal en nous disant un petit peu d'abord pourquoi il a accepté ce commissariat, parce que c'est quand même assez inhabituel pour lui que de se commettre dans des lieux d'art brut, d'une part, et puis d'autre part, qu'il nous parle un petit peu de sa perception de qui était John Eurocamp et de la manière dont il l'a ressenti. Bah écoute, merci pour cette introduction. Si vous ne m'entendez pas, dites-le moi, mais j'aurais du mal à parler beaucoup plus fort parce que je vais perdre beaucoup d'énergie et je crois qu'il faut qu'on en économise par ces températures. Juste en préalable, c'est le moment de te remercier aussi puisqu'il y a un public nombreux et on vous remercie aussi d'être ici et de remercier toute la galerie pour cette expérience qui a été vraiment pour moi à la fois un prolongement naturel de certaines de mes recherches ou de mon travail, mais une vraie découverte, et c'est évidemment grâce à toi que j'ai pu m'intéresser au travail de John Eurocamp. Je pense que en vous présentant en quelques mots et en quelques idées ce que j'ai découvert de ce travail, ça permettra probablement de lancer les débats et de se donner peut-être des pistes de réflexion sur art, mathématiques et physique. Tout d'abord, effectivement, tu as fait une démarche qui est très intéressante, c'est de venir chercher un commissaire plutôt d'art contemporain pour s'intéresser à un artiste brut. Et là, je mettrai artiste entre guillemets, puisque je ne suis pas spécialement bien placé pour savoir si on parle d'un artiste, si on parle d'un savant, si on parle d'un scientifique. On sait que John Eurocamp a fait des études de biochimie, qu'il a une relation naturelle, je dirais, à l'équation. C'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement. Et en même temps, c'est un être qui a une vie, qui a eu une vie tout à fait extraordinaire, qui a vécu de très peu de choses et qui... et c'est ce qu'on montre ici dans l'exposition, qui a réalisé, on en voit un certain nombre autour de nous, des dessins, des schémas a priori explicatifs, a priori destinés à transmettre quelque chose à son public. Il appelait ses dessins des offerings en anglais, des offrandes, donc c'est quelque chose qui était destiné à être donné, et il les photocopiait pour les diffuser donc à des gens qu'il rencontrait au hasard, par exemple sur des pare-brises de voitures, il les donnait à la main, il engageait la conversation autour de ça.
Et donc Christian m'a présenté ce travail il y a plusieurs mois. Et on avait dans les tuyaux, on se connaît un peu avec Christian, on a eu de nombreuses conversations autour de l'art brut, de l'art contemporain, de la métaphysique et de tout un tas de questions tout à fait essentielles pour des êtres normaux. Et effectivement, ça a été le prétexte. John Eurochem passe à vraiment travailler ensemble. Et moi, j'ai vraiment eu un choc, je dirais, quand j'ai vu ce travail, parce qu'il il exprime avec beaucoup de simplicité. Il n'y a jamais d'effet, je dirais, très compliqué hein, dans ce travail. C'est un travail avec des crayons à papier, fait sur des papiers extrêmement modestes de récupération, en gros. Il exprime une véritable relation à la vie, à la mort, au cosmos, aux origines, à où allons-nous, etc. Et donc, je disais à Christian, ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est la première fois que je me retrouvais en tant que commissaire du même côté que vous, que le public, parce que d'habitude, on est un peu entre les deux. On a une relation privilégiée avec l'artiste et notre travail consiste à donner un accès, à essayer de faire en sorte que le message de l'artiste soit le plus clairement transmis. Et avec John Eurochem, quelque part, j'ai dit, ben moi, j'ai pas beaucoup plus de clés que certainement un certain nombre de gens qui vont venir regarder cette exposition et qui vont découvrir aussi ce travail. Et donc, c'était très, très intéressant pour moi d'être de l'autre côté du miroir. Et on a eu, dès le jour du vernissage, et vous en aurez certainement ce soir aussi, des éclaircissements sur un certain nombre d'œuvres ici qui sont extrêmement enrichissantes, puisque en gros, ce qu'on fait avec Christian, c'est qu'on présente un artiste, je le mets encore à nouveau entre guillemets, et on le regarde tous ensemble. On n'en sait pas beaucoup plus que vous, en tout cas sur cet artiste. Il est mort en 2010. Il vivait en Californie, il fréquentait des sources d'eau chaude à proximité de son domicile, qui était forcément un domicile extrêmement modeste. Il se déplaçait dans un van Volkswagen, certainement hérité des années 70, dont on suppose qu'il a eu une vie quelque peu dissolue à cette époque. Et c'était un chasseur d'éclipses. On sait, il y a un document là, dans l'exposition qui atteste qu'il était en 99 à Reims, près de la cathédrale de Reims, et il parcourait le monde en chassant les éclipses totales solaires. Et d'ailleurs, la dernière fois que quelqu'un m'a parlé de ça, c'était Anne-Véronica Jensen. Je ne savais pas, mais elle, c'est une chasseuse d'éclipses par ailleurs. Donc, il y a une communauté de chasseurs d'éclipses qui est tout à fait large et étonnante. Et donc, ce personnage a vécu et est mort en 2010, donc il y a quelques années, en laissant cette trace qui nous permet de découvrir une face de son travail, une partie de son travail. Toute une partie a été certainement perdue, détruite, distribuée, etc. Et on doit la conservation de son œuvre à un ami qu'il avait qui s'appelle Aram Muxian et qui était photographe, qui a photographié son œuvre et qui a cherché à la protéger. Et on doit évidemment à son travail le fait de pouvoir disposer de ses pièces aujourd'hui. Je fais juste une petite parenthèse à ce sujet parce que moi je dois la découverte de John Eurochem à Daniel Baumann, et qui est l'actuel directeur de la Kunsthalle de Zurich. Et parce qu'il avait fait une petite, lui-même avait découvert ce travail en Californie et avait fait une petite exposition à New York qui m'avait laissé tout à fait pantois. Et j'étais tombé à genoux en disant à Daniel, il faut absolument que tu me présentes le propriétaire de ces œuvres, je veux le montrer à Paris. Et je n'y entendais absolument rien, mais je savais par intuition que c'était important. Donc je voulais juste quand même saluer ça. Le travail de Daniel à ce sujet. Et donc sur cet artiste et sur ce patrimoine qu'il nous a laissé, je dirais que tout est à faire. Et en même temps, on aurait pu passer 2 ans à éplucher, à étudier, à essayer justement d'en restituer ce qu'aurait été le travail, je dirais, classique d'un conservateur ou d'un commissaire. Mais avec Christian, on s'est dit qu'il était plus urgent de le montrer tel que nous, on le percevait, tel qu'on le voyait. Alors moi, avec un œil certainement beaucoup plus, je dirais, lié à mes réflexes de commissaire d'art contemporain, de fréquentation d'artistes contemporains. Et ce qui est tout à fait étrange, c'est que quand on a déplié un certain nombre de ses œuvres, qu'on les a regardées, on les a mis à plat, on s'est rendu compte, c'est ce qui est reconstitué sur ce mur ici, qui de loin et même de près ne dévoile pas ses secrets, sans ce que je vais vous expliquer maintenant. On s'est rendu compte que sur ces pages d'imprimantes perforées, qui sont donc couvertes de chiffres, on s'est rendu compte que certaines feuilles n'étaient pas terminées et dessinaient des grandes diagonales. Et donc, quand je déballais les feuilles ici, dans la galerie, on était là comme ça, je me suis dit, c'est quand même bizarre qu'il n'ait pas exploité complètement la feuille. Pourquoi est-ce que ça décline comme ça sur un côté ? Et on s'est rendu compte dans un deuxième temps qu'en fait, toutes ces pages étaient numérotées
et qu'elle constitue virtuellement une espèce d'immense pyramide qui, donc là, vous le voyez, stoppée par le haut de la simèse en réalité, mais il faudrait prolonger cette pyramide jusqu'à probablement plusieurs mètres en hauteur pour en avoir une idée, et elle se prolonge au sol à nouveau. Le sol vient couper ce triangle, mais en réalité, ça se prolonge sur probablement plusieurs dizaines de mètres. Et alors là, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose de fantastique, parce que ça veut dire qu'en fait, ce ne sont pas du tout des chiffres au hasard, ce dont on ne pouvait pas douter avec Johnny Rockham, parce qu'on sait, sur certaines œuvres, qu'il a appris des décimales de pi par cœur. Il connaissait visiblement plusieurs milliers de décimales de pi par cœur. Il les a recopiées, on a certains documents qui en attestent. Mais ces pyramides nous ont mis dans un état un peu de choc, je dirais, d'archéologue, parce que c'est ça qui est magnifique, évidemment, c'est quand on a l'impression de commencer à comprendre quelque chose. Je vous rassure, ça s'est arrêté très vite. Mais au moins, ça n'avait pas été présenté de cette manière-là à New York. Ça n'avait pas été perçu. Je pense qu'il ne s'était pas aperçu, contrairement à toi, que effectivement, dans le coin de chacune de ces feuilles, voilà, il y a un repère qui nous permet de savoir exactement à quel endroit elle se trouve, sur quelle ligne, quelle colonne, etc. Et que même l'une d'entre elles, dans sa marge, comportait une indication sur l'intégralité de ce modèle, oui, qu'il avait construit. Et nous avions fait un rapide calcul et qui nous amenait à penser que si on le reconstituait dans son intégralité, pour peu que nous ayons toutes les feuilles, mais probablement beaucoup en ont été dispersées, ça couvrirait quelque chose comme 700 mètres carrés. Ça vous donne un peu une idée du vertige qui vous prend quand vous considérez ce type de production. Et donc ça a été effectivement assez vertigineux. Donc j'ai tenu absolument à ce qu'on reconstitue. Sans cette explication, il faudrait un regard très attentif pour comprendre cet élément. C'est évidemment important de que je vous le décrive. Et j'ai des anecdotes comme ça sur beaucoup des pièces, et je ne vais pas le faire parce que là, on y passerait tout le débat. Mais c'est simplement pour vous donner une idée de ce déclic et puis du choc que ça a été pour moi de me dire que ce personnage donc était capable de produire ces quantités de décimales qui ont une suite logique, on le suppose en tout cas. Quand on sait qu'il a énormément travaillé sur, qu'il était certainement habité de considérations religieuses, c'est un recoupement très étrange entre philosophes, mathématiciens, considérations religieuses. Les textes sont cités dans plusieurs dessins qui sont derrière ce mur. Il y a plusieurs mentions directement de chapitres de la Bible. Et donc, on est là en face de... Alors, je remets encore des guillemets à ce mot artiste, mais on est là en face d'un quelqu'un d'autre, je dirais, quelqu'un qui a fait des choix qui sont difficiles à cerner pour nous, probablement, et qui avait certainement des explications, mais malheureusement, il ne nous les a pas transmis de manière très, très claire. Et j'ai intitulé le texte que j'ai écrit sur Kemp, je l'ai intitulé « Inadapté à l'infini », « Inadapté à l'infini », non pas en parlant de lui, mais en parlant de nous. Je me suis dit, finalement, ce type de personnage, dont on suppose qu'il était schizophrène, probablement, a probablement une relation, et ça nous ramène aux mathématiques directement, une relation à l'infini beaucoup plus simple que la nôtre. Parce que si on réfléchit à quelques secondes sérieusement sur cette question d'infini, elle est évidemment presque insupportable, puisqu'elle nous met dans un endroit qui n'existe pas et elle nous fait disparaître finalement face à une interrogation qui nous dépasse largement. Et donc je me disais que probablement que ce n'est pas lui qui est inadapté à notre mode de vie, mais c'est probablement nous qui sommes adaptés à quelque chose qui nous réunit et qui nous fait tenir ensemble avec Kemp. C'est cet infini qui prenne la notion d'amour, qui prenne le terme de religion, mettez derrière ce mot tout ce que vous voudrez bien. Et je faisais remarquer à Christian tout à l'heure en privé, dans une conversation, que cet infini, Laurent, tu sauras mieux le dire que moi, a été une donnée essentielle des mathématiques. On ne peut pas imaginer même la nature même des mathématiques sans ce mot d'infini, évidemment, que du zéro à l'infini est la base des mathématiques. Et donc là, on a glissé dans ce que je viens de vous dire. On est là dans le métaphysique. On n'est plus dans du visuel. On est dans quelque chose qui fait qu'un artiste, un nos compatriotes, quelqu'un qui vit avec nous dans le même monde, a un accès, une relation au monde qui est extrêmement porteuse et qui nous permet de nous projeter et d'inventer nous-mêmes des choses en regardant ce qu'il fait. Et ça, je dirais que ça m'a éclairé aussi sur ma pratique de commissaire plus, j'ai envie de dire, classique d'art contemporain. Et d'une façon plus générale, est-ce que
on ne serait pas tenté de dire, comme, enfin, moi j'étais plus que tenté de le dire, puisque je l'ai dit dans mon avant-propos, c'est que c'est peut-être quelque chose qui nous ramène aussi à l'origine même du processus créatif, c'est-à-dire la fabrication d'un objet, d'une instance, d'un motif capable d'intercéder entre nous et le mystère qui est le nôtre, finalement. Et donc, lui ne revendiquait pas statutairement, effectivement, le titre d'artiste, mais en revanche, ce qu'il a produit ne relèverait-il pas de ce que l'art était originellement ? Enfin, j'ai peut-être envie que Jean ou Laurent réagissent à cette notion. Je vais dire un mot de l'infini avant, et je vais dire un mot là-dessus. Oui. Mais effectivement, zéro. Pas zéro mot, mais il y a une intimité entre la question de l'infini et celle du néant. Et au fond, je trouve que ce travail nous ramène à ce bord du précipice, de l'abéance, du vide. Vous vous souvenez sûrement qu'en mathématiques, lorsqu'on divise un terme par quelque chose qui s'approche de zéro, alors on obtient précisément un infini. Et je crois qu'ici, on est face à une sorte de vide herméneutique, c'est-à-dire qu'on a la conscience que cette œuvre est définitivement insaisissable, que le chiffre de l'indéchiffrable qu'il a essayé de trouver nous est définitivement interdit. Et je crois que c'est de se rapprocher de ce zéro de l'interprétation qui nous fait tendre peut-être vers l'infini. J'irai même un peu plus loin pour nous ramener à un travail qu'on avait fait avec Jean à l'époque, où on s'était rendu compte que lorsqu'on tapait sur une calculatrice une division par zéro, on avait un error qui apparaissait. Cette fameuse maxime du errare humanum est, qui était donc l'erreur est humaine. Mais au fond, en travaillant un peu notre latin et le gaffio, on s'était rendu compte que errare, en fait, a une autre signification, qui est celle de l'errance. Et je crois que ce travail nous amène sur ce chemin de dire que c'est précisément l'errance qui est humaine. Le niveau est monté d'un cran. Genre, là, il fait chaud. Là, il fait... Moi, je voudrais revenir sur 3-4 éléments qui ont été dits et qui sont pour moi assez clairs. D'abord, l'intérêt des chasseurs d'éclipses. Les chasseurs d'éclipses sont des personnes qui travaillent nécessairement sur la relation entre l'ombre et la lumière et la façon dont l'ombre fait exister la forme. Tout d'un coup, parce qu'un astre passe devant un autre, la forme apparaît. Et il me semble que l'artiste nous intéresse à partir du moment où il parvient à une forme. Et là, on est typiquement chez un artiste qui non seulement parvient à une forme, en plus à une forme qui, malgré tout, est assez datable. On n'est pas si loin des travaux des artistes de la Beat Generation à Los Angeles et à San Francisco. Je pense en particulier à Wallace Berman, par exemple, qui travaillait beaucoup sur la Kabbale. Et il y a un aspect presque stylistique qui appartient à cette partie de la poésie. Donc je dis poésie parce que là où je sens que c'est un artiste et qu'il y a quelque chose de particulier chez un artiste, c'est souvent sa volonté de ne pas travailler que pour lui. Et tout à l'heure, Gaël parlait de la façon dont il distribuait ses feuilles aux autres. C'est-à-dire que ses travaux étaient des embrayeurs. C'était des embrayeurs d'une conversation ou d'une pensée qu'il voulait partager. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que non seulement c'est un artiste qui a une forme, qui est datable à peu près dans le climat d'une époque et d'une géographie, mais en plus c'est quelqu'un qui ne referme pas son travail sur lui-même pour en faire quelque chose de totalement clos. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a la moindre solution dans son travail. Peut-être qu'il y a des solutions qui lui appartiennent. Mais la première solution qui s'y trouve, je crois, c'est le fait que l'artiste se dirige de toute façon vers une zone obscure de la pensée. Et que la seule raison pour laquelle nous travaillons avec les artistes, c'est l'obscurité qu'ils nous procurent. C'est-à-dire qu'ils sont comme des vaisseaux spatiaux qui se dirigent vers la matière noire de l'univers, comme disait Jean-Marc Ferrari. Et je pense qu'il est exactement sur ce chemin-là. Donc il appartient à ce que nous cherchons, c'est-à-dire surtout pas un artiste qui va rajouter une forme à l'histoire des formes, mais un artiste qui est capable de se propulser vers quelque chose. Mais ce quelque chose vers lequel il se propulse, il a le souci de le rendre actif. Et pour moi, c'est quelque chose de très important qui fait la différence entre l'art et le non-art, c'est que l'art est actif pour celui qui le partage, ou pour celui qui le rencontre, ou pour celui qui le veut. En donnant ses œuvres aux autres, il rendait la possibilité à son œuvre d'être active, c'est-à-dire d'être un véhicule de transformation de ce que nous pensons et de ce que nous sommes. Donc je vois toutes les raisons pour que nous décidions d'enlever les guillemets au mot artiste. Je sens qu'on progresse, c'est bien.
on s'est déjà débarrassé d'un certain nombre d'oripeaux, c'est pas mal. Et alors, l'agent, tu disais à l'instant, tu mettais l'accent sur la capacité de recéler du mystère et que c'était peut-être effectivement l'un des véhicules possibles de l'art. Faire dire obscur à mystère. Parce que, tiens, donne-moi ton téléphone. Non, c'est pas un téléphone. Allô ? Vous m'entendez ? Oui, je préfère dire obscur à mystère parce que ce qui m'intéresse, c'est dans l'obscur, on a l'impression, il y a une œuvre très belle de Trisha Donnelly qui s'appelle Rider. Elle a marqué R-I-D-R. C'est un dessin qu'elle a fait. Et c'est une artiste qui m'intéresse beaucoup parce qu'on ne comprend rien à ce qu'elle fait. Et dès qu'on s'approche de l'interprétation, elle se retire un peu plus loin. Et je trouve qu'il y a énormément d'œuvres dans nos vies, d'artistes qui nous fascinent et qui gardent une opacité absolue. Pourtant, on a l'impression qu'on fait un chemin avec elle. Rider, c'est Ride into the Dark Ride, bien sûr. Et donc, elle nous attire vers une obscurité qui est incroyablement constitutive de nous. Au fond, on est composé à 90% d'eau, mais on est largement composé à 95% d'obscurité. Et je pense que cette zone de l'inconnu en nous et de l'inconnu de notre pensée n'est pas un mystère, c'est une géographie. Et cette géographie est palpitante, voilà ce que je voulais dire. Donc, et l'idée quand même que ces œuvres soient belles aussi parce que elles recèlent de l'obscur, c'est peut-être aussi parce que cette part d'obscur est la seule chose qui dure, c'est la seule chose qui reste irrésolue. Alors, je ne sais pas, parce que je voudrais pas, je méfie toujours quand on, c'est de ma faute, hein, mais je méfie toujours quand on tombe, les mots sont dangereux, donc ils sont toujours, il y a un drapé majestueux au mot mystère, au mot obscur, au mot infini. Alors quand on en parle avec Laurent, l'infini tout d'un coup se revêt d'une sorte de conscience réelle. Moi, je ne suis pas du tout intéressé par le fait que je ne sache pas de quoi il parle. Ce qui m'intéresse, c'est que lui sait sans doute exactement de quoi il parle et il nous entraîne vers quelque chose qui va me permettre de me poser des questions, non pas de résoudre l'énigme de ce qu'il nous propose, mais de progresser dans mes propres énigmes. Donc en fait, moi, j'aime l'obscur, je n'aime pas du tout l'aspect on ne saura jamais, on ne comprend pas. Non, on comprend un peu. Et la forme, j'insiste beaucoup sur la qualité formelle du travail. Il y a un soin à cette pyramide, on voit ces paperolles qui rajoutent pour terminer l'angle, etc. Et c'est un travail plastique aussi. Et pour revenir sur le contenu même, j'ai envie de demander à Laurent, en examinant ça, et qu'est-ce que tu dirais du rapport particulier de Kemp et de l'usage des mathématiques dans la causalité, la façon dont il essaie d'élucider, parce que Gaël le soulignait tout à l'heure, je veux dire, on n'est pas là en train d'essayer de résoudre apparemment des questions liées purement à la physique, mais il se coltine quand même avec des sujets comme les clés d'immortalité, le chiffre de l'amour éternel, etc., etc. Donc effectivement, ça rejoint ce que tu disais à l'instant, on est dans une poétique. J'imagine que lui aussi a dû être accusé d'exercice illégal de la mathématique, mais que ce n'était pas du tout son propos, au fond, de faire des mathématiques. Il ne cherche pas à démontrer des théorèmes, il cherche à révéler des... À révéler. Avec un langage qu'il a à sa disposition, c'est celui des mathématiques, effectivement, qui sont au fond simples, c'est des successions de chiffres qui sont pertinentes. Il y a un gros travail, j'ai vu, sur les nombres inconstructibles, sur les transcendentaux, phi, pi, racine de pi. Mais voilà. C'est, les transcendentaux, c'est des nombres qui ne sont pas solutions d'équations. Ce sont des nombres qui ne sont solutions d'aucune équation polynomiale. Ensuite, il y a les nombres inconstructibles, qui ne sont pas constructibles à la règle et au compas, qui ont fait l'objet d'ailleurs de beaucoup de quêtes fascinantes. D'ailleurs, il faudrait peut-être que tu montres un jour, si tu veux bien, l'ensemble des travaux qui ont essayé de prouver la quadrature du cercle, la trisection de l'angle et la duplication du cube. Après qu'on a montré... Dans un premier temps. Pour commencer. Surtout après qu'on a montré que c'était des questions qui étaient insolubles. Ce qui veut dire qu'en fait, ces trois problèmes dont je viens de parler, c'est une digression, mais au fond, elle parle de cette quête inlassable de résolution de problèmes qui n'en sont plus, puisque c'est... Alors, je n'utilise pas le terme de mystère, mais on a démontré que ces problèmes de l'Antiquité majeure n'étaient pas solubles. La trisection de l'angle, c'est comment couper un angle quelconque en trois angles équivalents. La duplication du cube, c'est comment faire qu'un volume, un cube, en accroissant d'une certaine mesure
son arête puisse doubler de volume. Et la quadrature du cercle, vous la connaissez toutes, c'est celle qui consiste à faire qu'un cercle ait exactement la même surface qu'un carré donné. C'était des questions qui étaient relativement simples et qui étaient posées depuis l'Antiquité. Des centaines et des milliers plutôt de personnes, de mathématiciens, ont essayé d'élaborer des théories là-dessus. Jusqu'au 19e siècle, où un mathématicien français a fait la démonstration que tous ces problèmes étaient insolubles. On ne peut pas construire racine cubique de 2 et pi à la règle au compas. Et depuis cette démonstration imparable, il y a encore des centaines et des centaines de traités qui parviennent à l'Académie des sciences sur ces démonstrations de l'indémontrable. Et je pense que ce garçon ne se préoccupait pas de démontrer des théorèmes, mais de révéler des choses qui étaient de l'ordre plutôt du mystique, mais avec le langage qu'il avait à sa disposition, c'est-à-dire les nombres. L'hypothèse qu'on avait formulée comme ça en discutant et en préparant cette exposition avec Gaël, c'est qu'effectivement, ce grand nombre de papiers d'imprimante perforés et d'imprimante à aiguille qu'il utilisait donc pour ces longues séquences, cette litanie, ces mantras de chiffres, opéraient peut-être comme une sorte de matrice à partir desquelles, je ne sais pas, enfin, peut-être Laurent ou Jean ont envie d'en dire un mot, c'est en toute hypothèse, puisque que ça opérait comme une sorte de matrice à partir desquelles, à un moment donné, jaillissaient des schémas, des polyèdres, etc. Et quand il pensait la chose suffisamment aboutie, effectivement, elle était dupliquée et il composait des pages en mettant généralement 4 par feuille A4 et qu'il coupait. Et ça devenait les fameux offerings, c'est-à-dire dignes d'être offertes et transmises aux autres. Donc il était dans cette posture du don. C'était effectivement quelque chose qui était non pas destiné à être exposé, mais destiné à être donné et à être livré au plus grand nombre. Et de composition, parce que ce que soulignait Jean, c'est très juste. D'ailleurs, ça a été ma première réponse à Christian. C'est d'abord, j'ai presque envie de dire graphiquement, en tout cas plastiquement, que je lui ai dit, OK, c'est après que j'ai commencé à comprendre la densité, la profondeur du travail. Évidemment, j'ai bien compris dans quel endroit on était à peu près, enfin, toute modestie gardée, parce que ce qu'on vient de dire, c'est extrêmement profond. Et moi, mon intuition... C'est vraiment une intuition. Sur ces grandes pyramides de chiffres, j'ai le sentiment que c'est... Enfin, c'est une interprétation strictement personnelle. Que c'est une espèce de presque de rêverie, de mantra. Il y a cette dimension, on imagine, de cycle quand on le produit. On imagine que c'est un rythme d'écriture, que c'est... on connaît des artistes, évidemment, qui ont exploité ça de manière, je dirais, consciente, en sachant parfaitement aussi monétiser ce rythme. Et mon autre intuition, mon autre sentiment, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à voir sur le génome ou l'idée d'une mise à plat de l'humain. Du séquençage. D'un séquençage. Ça pourrait correspondre à certaines actualités depuis les années 80. Et puis, ça m'a permis de faire ce cheminement, m'a permis de le ramener à la posture finalement de ce qu'était, ce qu'on suppose être peut-être le chaman ou ce qu'était peut-être le chaman dans les cavernes, c'est-à-dire le personnage qui a des clés sur l'univers et évidemment sur nous, parce que ce n'est pas seulement ce qui nous est extérieur, c'est qu'on est, on est dedans et dehors, on est totalement liés. Et je me suis dit peut-être qu'il est exactement à cet endroit de ce que... Enfin, Jean est bien plus qualifié que moi pour parler de ce sujet qu'il a tout à fait exploré, mais je pense qu'à une autre époque, voire dans d'autres civilisations, il y a peut-être 30 000 ans dans la grotte Chauvet, par exemple, il aurait été central dans la société qui s'organisait, on peut le supposer, en tout cas certains écrits de Jean-Claude le disent, peut-être que le chaman, peut-être qu'un personnage comme lui, qui est devenu un marginal dans notre société, était peut-être à cette époque quelqu'un qui, au contraire, organisait par son chaos à lui, par l'ordonnancement de son chaos, j'ai envie de dire, organisait la bonne routine et le bon fonctionnement des sociétés qui tournaient autour de lui. Et donc ça, c'est un point important, parce que c'est là où je rejoins Jean sur le fait que c'est un artiste, c'est-à-dire que c'est finalement l'attente qu'on doit avoir, l'énorme attente ou l'énorme, je dirais, ambition qu'on confie aux artistes. C'est d'être à l'endroit qui nous désorganise pour nous rendre cohérents les uns avec les autres. Je vais dire un petit mot, pas sur le chamanisme, parce qu'au fond, je trouve que tu n'as pas tort du tout...
là-dessus, ce que je voudrais dire, justement, pour aller dans ton sens, c'est que la façon dont on caractérise le chaman en anthropologie, sans savoir si cette métaphore, il faut la filer plus loin, mais les points qui m'intéressent dans l'efficacité chamanique, au fond, et c'est pour ça que je pense que c'est des œuvres qui cherchaient à avoir une efficacité, c'est que le chaman est toujours liminaire, c'est-à-dire il appartient au monde des limites. Il est entre le monde animal et le monde humain, il est entre la vie et la mort, il est entre le masculin et le féminin, il est entre le sérieux et le ridicule, et c'est par nature un marginal. Le chaman n'est jamais un personnage central dans la société, ni même un sage. C'est toujours un marginal qui se garde bien d'être classable. Donc la marginalité telle qu'on l'imagine chez cet artiste, être entre la science et la non-science, entre pas loin à l'évidence de la Beat Generation, mais pas si près que ça non plus, avec des figures qui évoquent un petit peu les buvards du LSD, mais pas exactement. On est très très près de quelque chose et on n'y est pas tout à fait. Et donc effectivement, il a une position qui est une position non pas de sagesse, mais d'efficacité, je crois. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai peut-être la petite différence que je verrais dans la position de Kemp par rapport effectivement aux chamans ancestraux tels qu'on les connaît dans les sociétés dites primitives, c'est que c'est la communauté qui a décidé à un moment donné qu'un tel avait cette fonction transgressive, il me semble, et que donc du coup, il était lui chargé d'expérimenter et de faire l'expérience des limites du groupe, tandis que Kemp, d'une certaine manière, n'a pas attendu l'autorisation de la communauté et de passer outre, peut-être qu'il est encore plus transgressif et peut-être encore plus satellitaire de la communauté qui est la nôtre. C'est compliqué ces conditions chamaniques, donc je ne pense pas qu'il faille aller trop loin dans l'affaire. Mais néanmoins, quand je vois juste à côté de moi les particules qui sont peut-être celles d'un Saint-Esprit, hein, d'un saint fantôme, en fait une sorte d'esprit auxiliaire, on est quand même effectivement dans des zones très proches. Le chaman, il n'est pas toujours choisi, il est parfois subi. Très souvent, le chaman est choisi par la situation psychique qu'il a, et les esprits, ou ce qu'il pense être les esprits, lui imposent cela, et l'imposent comme une souffrance. C'est-à-dire qu'il est dévoré. C'est-à-dire après, selon les pouvoirs qu'il a, la communauté l'acceptera ou le refusera, ou il restera un marginal, mais le chaman n'est pas toujours choisi par la communauté. Mais je ne pense pas qu'il faille qu'on aille trop loin dans cette analogie dangereuse, qui n'est qu'une analogie. Peut-on imaginer peut-être que les premiers chamans étaient peut-être aussi chargés de fabriquer des objets, ou du moins dans leur acte transgressif étaient conduits à fabriquer un monde des objets ou à produire une œuvre plastique, et que cette œuvre plastique était une sorte de prolongement, il n'était pas que dans l'oralité peut-être. Et pour reprendre quelqu'un qui cite souvent, c'est-à-dire Saint Jean, écrit dans une grotte à Patmos. Pardon, ne l'écrit pas du reste, puisqu'il transmet par l'oralité à quelqu'un qui écrit l'Apocalypse dans une grotte à Patmos. Donc c'est l'utilisation du langage pour la révélation. Il y a quelque chose qu'on pointe souvent aussi en mathématiques, c'est ce départ entre les intentions du mathématicien qui sont soit dans l'explication, soit dans l'expression. Normalement, en mathématiques, effectivement, les puristes ont essayé de développer des modèles causalistes, déterministes, qui vont essayer d'expliquer les rapports entre les causes et les effets. Et d'autres mettre l'accent sur l'endroit langagier en fait des mathématiques, qui sont plutôt un vecteur d'expression. Mais là, je trouve que lui, il opère quelque chose d'assez différent, c'est-à-dire que je crois que personnellement, il essaye de déchiffrer l'indéchiffrable, donc il est dans cette volonté quand même peut-être d'explication, plus que d'expression aussi, mais pour faire la synthèse parfaite, je crois qu'il est dans une intention de révélation, qui est par-delà l'explication et l'expression. J'aurais voulu poser une question. Je voudrais savoir si vous considérez que dans cette œuvre, on peut parler d'une sorte d'algorithme caché qui fait émerger la forme. Et est-ce que le fait qu'il y ait cet algorithme caché que vous avez découvert, est-ce que quelque part ça n'amoindrit pas un peu l'œuvre d'une certaine façon, parce que ça la rend peut-être un peu moins ambigu, un peu plus compréhensible? C'est quelque chose que... Alors peut-être n'était-il pas tout à fait conscient de son algorithme, mais ce que vous me décrivez, cette émergence d'une pyramide avec un processus étape par étape, avec ce qu'on appelle un algorithme.
Oui, que Gaël a perçu effectivement dans la forme. Après, dans le contenu des chiffres, sûrement qu'il avait... Enfin, ça, c'est un indécidable en mathématiques même. De même qu'il y a des propositions mathématiques qu'on ne pourra jamais démontrer ni invalider. Il y a des algorithmes qui ne s'arrêtent jamais, enfin, qui tournent en boucle. Oui. Peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il n'y en a pas. Ouais, et c'est merveilleux de ne jamais pouvoir le savoir. J'ai une question toute simple, je suis désolée, je ne connaissais pas l'artiste avant ce soir. Est-ce qu'il se... Vous avez parlé de schizophrénie. Est-ce qu'il s'exprimait verbalement ou est-ce que ses œuvres, c'était sa seule manière de s'exprimer ? Non, j'ai essayé de le dire en parlant de ses offerings, justement, et je crois qu'on tourne autour de ce sujet. En réalité, ce qu'on voit, ce sont des prétextes. Alors, c'est aussi à nouveau une intuition, mais c'était certainement des prétextes à engager la conversation, puisqu'il les donnait en main propre à des personnes qu'il rencontrait. Donc, c'était pour lui une sorte un facilitateur, quelque chose qui pouvait engager la conversation, qui s'adressait à l'autre, un objet de transition, quoi, quelque chose qui lui permettait, sur lequel il s'appuyait, puisque en réalité, je reviens à des choses un peu basiques, mais on a reconstitué des procédés. Derrière les dessins, on a par exemple des notes de le prix des photocopies. On sait combien il en fait à un moment donné, on a la date. Et alors, je vais vous en raconter une bien bonne. Le centre de photocopie de certains des dessins, donc l'endroit où il fabrique ses petits flyers, en fait, à partir de ses originaux, s'appelle le Shiva Center. C'était incroyable. Donc, ça ne s'invente pas. Mais là, pour répondre à votre question, en réalité, il faut imaginer que c'est un travail qui est beaucoup plus composite que ce qu'on dit là. Il y a des mathématiques, il y en a, comme on dit dans le film, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, à un moment, on tombe sur des documents qui sont des lettres qui ont été rédigées, qui lui sont adressées par le département de Scientologie de Californie. Donc à un moment, il fréquente la Scientologie, par exemple. Il fait référence dans certains poèmes, dans certains textes, à une bombe à neutrons qui aurait explosé dans le cosmos, avec des choses qui sont d'ailleurs, je dirais, pas du tout, enfin, qu'on pourrait imaginer par des astrophysiciens, mais qui sont aussi des choses qu'on retrouve dans certains fantasmes scientologues. Et donc, c'est une espèce de résultat très hybride entre le chasser les éclipses, regarder les astres, s'intéresser effectivement au cosmos, les mathématiques, le cristal. On n'a pas évoqué cet aspect, mais on le surnommait aussi Crystal John, non pas du nom d'une nouvelle drogue, mais... pour un intérêt qu'il avait au cristal de quartz. Mais ça, j'ai pas suffisamment et de connaissances ni poussé les choses très loin, mais c'est un cristal qui a à la fois des qualités que certains ésotériciens ou certains guérisseurs lui prêtent en termes d'énergie, et en même temps c'est un cristal qui dessine des figures ou des angles qui sont certainement remarquables et certainement proches de ce que tu disais tout à l'heure. Donc en réalité, on est dans un... je comprends très bien ta rectification, Jean, sur le terme du chamanisme, et je pense que tu as entièrement raison, et surtout tu as beaucoup plus bossé que nous sur cette question, donc je te fais entièrement confiance. Mais en réalité, la sensation que j'ai entre la Bible, le cristal de quartz, les mathématiques, la scientologie, le fait qu'il était végétarien dur, hein, c'est-à-dire qu'il avait... Il était trigane. Mais enfin, ça, j'ai... Je pense qu'il s'agit là de personnes qui ne mangent strictement que ce qui tombe de l'arbre. Trigan. Et donc, parce qu'il a effectivement, on a retrouvé des textes ou des lettres dans lesquelles il dit qu'effectivement, ça lui arrache le cœur d'arracher un poireau, etc. Enfin, donc voilà. Donc il fallait vraiment pour lui que, je veux dire, ce soit à un moment donné séparé. Pour que ce soit, d'ailleurs, c'est peut-être une sorte de métaphore de offering. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il voilà, oui, il est encore dans bien ce sûr. Don, il ne fallait pas que les choses soient forcées, il fallait qu'elles se donnent naturellement. Et oui, il avait une ascèse de vie redoutable. Et justement, ce que je trouve très très beau, c'est pour ça que, quelque part, pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse à l'art contemporain, on est là sur quelque chose de passionnant, parce qu'en réalité, on tourne autour du pot, mais quand on s'intéresse à l'art, si on lui donne le mot d'artiste aujourd'hui, c'est parce qu'on s'intéresse à tout en réalité. Moi, j'espère être de la génération des immortels, et j'espère pouvoir tout savoir, tout connaître, très, très rapidement d'ailleurs. Bon,
et un artiste comme Kemp nous permet finalement de tirer des ficelles d'univers totalement, je dirais, inconnus. Je ne savais pas que le cristal de quartz avait certaines qualités, etc. Et du coup, c'est à chaque fois des ramifications, une espèce de connaissance du monde pour des gens qui sont boulimiques, tous les amateurs d'art que vous êtes et que nous sommes nous aussi, qui c'est un agrégateur, c'est quelqu'un qui va nous permettre, il fait par exemple, on sait que Il code, on a un exemple dans le dessin ici, il attribue des couleurs noires ou blanches à certains chiffres. Et on sait probablement que certaines compositions sont des codages qui étaient utilisés par les Templiers, par exemple. C'est-à-dire, c'est le fait de mettre un alphabet dans une grille. Vous mettez un alphabet dans une grille, tu sais forcément ça mieux que moi, évidemment. Et en réalité, on peut faire un codage qui correspond à l'abscisse et à l'ordonnée. Enfin, en tout cas, et vous avez tout de suite une série de chiffres qui correspondent très précisément à des lettres. Mais si vous n'avez pas la clé, vous êtes paumé. Donc, il s'intéresse à ça aussi, à la cryptologie, je dirais. Je pense que ça s'appelle comme ça, cryptographie, cryptologie. Et donc, c'est quelqu'un qui mélange tout un tas de sources pour arriver à un message qui, pour lui, est cohérent. C'est ça qui est formidable. C'est que finalement, il nous renvoie à nos vérités scientifiques, il nous les retourne comme un miroir en disant, en s'appropriant de manière très, très libre et très généreuse aussi, en retournant le truc comme un gant. Il prend les sciences dures pour en faire, ce que tu disais, Jean, c'est exactement ça, pour en faire de la poésie. En réalité, c'est un poète. Avant toute chose. Oui, on a le sentiment que pour lui, tout est signe et tout mérite donc une tentative d'interprétation ou de, comme tu le disais à l'instant, Laurent, de révélation. C'est-à-dire que quelque chose peut être révélé par l'observation du signe et que le véhicule, finalement, quand même très, très abstrait qu'il l'emploie, est le véhicule des mathématiques et de la géométrie. Jean, tu voulais... Ça, on n'en a pas du tout parlé, mais ça, j'ai essayé. Oui, très probablement, bien sûr. Et ça me semble, enfin, peut-être. Bien sûr. Enfin, c'est sans être. Mais c'est quand même... Je ne veux pas être réductrice, mais enfin, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Une partie. Voilà, enfin, c'est quand même ici, c'est assez évident. Enfin, je ne peux pas vraiment développer parce je dirais que c'est une. Ça fait partie du... C'est explicite, là. Bien sûr, mais j'ai regroupé effectivement ces trois. Ce ne sont pas trois œuvres qui sont liées, enfin elles sont liées évidemment dans leur forme, mais c'était un choix presque pictural de les réunir parce que je trouvais qu'elles formaient comme ça un ensemble assez mystérieux. Mais à nouveau, ça fait partie d'un ensemble de questionnements et de références qu'il a. On n'a pas d'indication en revanche sur son passé qui nous permette de remonter des choses, mais c'est un travail qui vient d'être découvert, j'ai envie de dire. Donc, de toute façon, il y a énormément de questions qui vont trouver des... Si quelqu'un a le temps de se pencher sur sa biographie, a les moyens et l'envie, je pense qu'on va avoir des éléments. Moi, j'ai trouvé des éléments, bizarrement, sur Internet et des gens qui avaient reçu des offerings, qu'ils ont pris en photo et qui ont appris sa mort et qui mettaient des photos de ces offrandes que lui leur avait données dans la rue ou quoi. Donc il y a tout un travail aussi, il y a des gens qui ont forcément des œuvres de Kemp chez eux. Donc c'est assez beau aussi cette histoire. Oui, les gens les conserver, c'est-à-dire que... Certains en tout cas, probablement que d'autres... Certains leur accordaient une vraie valeur, ou en tout cas effectivement... Non. De gens qu'il aurait rencontrés, oui. Il y a encore un vrai travail à faire, mais je pense que le fait d'exposer John Woodrow Kemp, le fait de faire un catalogue, etc., effectivement, ça a suscité, du coup, beaucoup de remontées d'informations, d'intérêts, etc., parce que ça se sait aux États-Unis, et en particulier en Californie, où il vivait. Et donc, il y a des gens autour de Berkeley qui sont en train de se signaler, qui l'ont rencontré, qui l'ont fréquenté. Donc, à partir de ça, j'imagine que Aram Muxiam, qui est le photographe, qui était son ami et à qui John a légué tous ses travaux, va pouvoir se mettre en relation avec eux et peut-être continuer à débusquer des pièces du puzzle. Mais en fait, il est assez illusoire et je ne suis même pas sûr que ce soit d'un intérêt majeur qu'on arrive à reconstituer le puzzle dans son intégralité. Je ne suis même pas sûr, mais effectivement, c'est le chemin sur lequel ça nous mène qui est intéressant. C'est vraiment le chemin et les interrogations que ça nous conduit à essayer de résoudre.
Tu me tends le micro, ça me fait plaisir. Donc, c'est une bonne idée. Donc, justement, le fameux Gaël Charbot parlait tout à l'heure de poésie. Je voudrais revenir sur cette question. Parce que, évidemment, c'est un artiste qui se confronte à des projets qui n'ont pas, pour lesquels la quête ne sera jamais achevée. Et il y a une relation, je trouve, au langage de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, cherchant dans tant de directions et ne pouvant aller à la fin de chacun des projets, puisque même, je pense que tous les projets sont commencés et quasiment aucun n'est probablement terminé, puisque c'est même la nature, même ces questions, on est finalement très très proche d'une poésie symboliste. C'est-à-dire on est très très proche d'avoir posé des actes formels, plastiques et linguistiques, dont la résonance nous apporte énormément, plus encore que la signification des mots qui sont posés sur ceci. Et pour moi, c'est très important parce que, au fond, la question que je me pose, c'est quelle est l'importance pour nous de ces œuvres-là. Et au fond, ce n'est pas tellement qu'elle va nous donner une solution sur le génome, sur la structure de l'univers, etc., mais c'est qu'elle nous suggère qu'il y a une géométrie spirituelle qui nous concerne et nous intéresse, et que ça fait partie de la nature de l'homme que de s'inspirer des résonances qu'elle peut créer dans nos esprits. Et au fond, c'est grand cela qu'il pense et qu'il parle en poète, je pense. Et ça complète bien ce que tu disais, je crois. Voilà, j'irai dans cette direction-là. À toi. Quand on regarde des photographies de l'artiste un peu avant sa mort, il a une très longue barbe. Il se baignait effectivement dans les sources d'eau chaude. Et il ressemble un tout petit peu à Dieu, ou en tout cas à Gaston Bachelard sur la fin de sa vie. Et Gaston Bachelard a beaucoup marqué, bien sûr, l'épistémologie et aussi la poésie à la fin du XXe siècle. Et il nous a tous amenés sur un chemin de divorce de la pensée entre l'animus et l'anima. Que la pensée, en fait, a deux orientations qui sont radicalement opposées. Une pensée qui découvre et l'autre qui recouvre. Une recherche diurne et une rêverie nocturne. Donc il y a en quelque sorte le laboratoire du scientifique et l'atelier de l'artiste. Et il n'a eu de cesse dans sa propre écriture de faire le départ entre les deux, le divorce. D'une part, un travail d'épistémologue avec la formation de l'esprit scientifique, etc., où il demande de renoncer à l'intuition, d'aller jusque-là, de penser contre le cerveau. Et d'autre part, il fait la psychanalyse des éléments, donc dans une dérive poétique absolue. Et je crois qu'on a souffert. Que la seconde partie du XXe siècle a été, on lui a intimé en fait d'acter ce divorce de la pensée. Or, on a beaucoup plus à apprendre des entrelacs qu'il y a entre le chimiste et l'alchimiste, de lire l'un dans l'autre. Ce qui fait que j'en parle parce que je suis en train d'écrire un article, enfin une note sur Gaston Bachelard. J'étais vraiment perturbé par ce divorce de la pensée. Je me suis dit, je vais aller, puisqu'il fait la psychanalyse des éléments objectifs, je vais aller à l'endroit où il est né, où il a grandi. Je suis allé à Bar-sur-Aube, à sa maison. Et j'ai découvert une photographie, mais absolument épatante, de ses parents qui étaient tenanciers dans un bar tabac. On voit sa mère qui sort de la fenêtre, son père en bas. Et on voit surtout que cette grande rue, qui est la rue La République à Bar-sur-Aube, qui ne laisse la possibilité, lorsqu'on sort de l'établissement, que d'aller à gauche ou à droite, donne accès à deux magasins qui portent exactement le même nom, Chaplin. Et quand on regarde bien cette photographie de quand il est né, c'était à la fin du 19e siècle, eh bien on voit que l'un est un chapelier et l'autre un coiffeur. C'est-à-dire que l'un découvre et l'autre recouvre. Comme s'il avait été intimement marqué par ce divorce de la pensée. Je n'en ai pas une aussi bien. Je peux pas enchaîner. Essaye de faire quelque chose de pas Non, je crois que on est resté très concentré sur Kem parce que c'était un prétexte. Je crois que ce que tu voulais aussi dans cette table ronde, c'était un élargissement. Et je sais que dans ton travail aussi, Christian, il y a cette idée justement de décloisonner d'une certaine manière la relation que pourrait entretenir d'un côté l'art brut, de l'autre côté l'art contemporain. Et c'est pour ça que je mettais des guillemets tout à l'heure au mot artiste, parce que je dirais que Kemp n'a pas fait profession d'artiste. C'est pas un artiste professionnel, c'est pas quelqu'un qui était dans un système organisé avec ses lois, ses règles, etc. Mais par contre, il nous rappelle que l'artiste, ce qu'on attend de lui, c'est justement d'être à l'endroit où ça appuie sur toutes les cordes, je dirais, musicales qui effectivement créent des harmoniques, des vibrations, des résonances, et on est exactement là. Et je, je,
je trouve que c'est exactement ce que disait Jean, c'est dans cette, c'est un travail de générosité qui nous réordonne et nous oblige à aller nous rechercher, à faire cet effort de compréhension. On peut rester totalement étanche, mais c'est vrai que toutes les personnes qu'on a vues visiter l'exposition, à qui on a un peu tendu des perches parce qu'il fallait faire un petit effort, avaient tout de suite de la sympathie pour ce travail. Et ou pas. J'ai vu votre regard, là, je me suis dit, Non, pas du tout, mais je ne comprends pas pourquoi vous accordez le monopole de générosité à l'artiste. Je ne vois pas pourquoi un scientifique qui travaille, qui découvre des théorèmes, n'aurait pas la même forme de générosité. Donc je ne vois pas en quoi l'engagement et la générosité seraient le monopole de l'artiste. Je ne comprends pas ça. Je ne parle pas du tout de monopole. Il n'est pas du tout. Je ne dis pas que c'est de l'exclusion. Un artiste, c'est quelqu'un d'engagé qui a une forme de générosité. Mais alors peut-être que les grands mathématiciens sont des artistes ou les grands physiciens. Mais je ne comprends pas très bien ce critère. C'est exactement ce que vous avez totalement dans ma conclusion que je n'osais pas formuler, mais je vous remercie de le faire à ma place. C'est exactement ce que je voulais dire entre le décloisonnement art brut, art contemporain et le mot artiste en général. Aujourd'hui, il a une signification qui est parfois très technique, je dirais. C'est quelqu'un qui est représenté par une galerie, qui est exposé dans des institutions, etc. Mais je ne limite pas ce mot à ce type de métier, peut-être qu'on peut appeler ça comme ça. Et pour moi, effectivement, il est très clair que des mathématiciens sont généreux, que des scientifiques sont généreux, que... Des mathématiques, on va découvrir des structures, on va s'inspirer de la géométrie. Vous avez beaucoup de mathématiciens qui travaillent sur des univers très géométriques, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des algorithmes. Il y a toute une branche des mathématiques qui ne sont pas purement des algorithmes. Donc le critère de l'artiste là-dedans, l'enfermer dans cette espèce de, voilà, d'un engagement et d'une générosité qui serait propre à l'artiste, je ne vois pas tôt. Donc il faudrait définir un autre critère qui serait l'artiste. Alors peut-être le critère de l'artiste, effectivement, c'est définitivement ambigu, c'est pas réductible. Non, mais il y a une légère déviance dans ton interprétation que je voudrais la reprendre. La question n'est pas de savoir si l'artiste est généreux. La question est de savoir si la générosité dont il fait preuve quand il donne des œuvres, par exemple, a une fonction. Et si elle a une fonction structurante dans son travail. En l'occurrence, c'est une fonction fatigue, une sorte d'embrayeur, c'est quelque chose qui fait que tout d'un coup, quand l'œuvre est donnée, elle est activée. C'est une technique, ce n'est pas du tout une générosité au sens moral. Voilà. C'était pour ça qu'on en parlait par rapport à lui. Et ce n'est pas en comparaison avec les scientifiques qui sont généreux par nature. La preuve, à ma droite, j'ai un grand généreux. C'est ça, non ? On est totalement d'accord. Deux grandes. Oui. Alors moi je ne voudrais pas parler de générosité mais de perplexité. J'ai beaucoup aimé votre perplexité en découvrant les œuvres et j'ai trouvé intéressant comment vous avez accepté d'être délogé de votre posture habituelle de commissaire d'art contemporain pour être adopté cette posture d'archéologue qui se laisse questionner. J'ai trouvé ça très très intéressant. D'autant que en ce qui concerne la schizophrénie, ce sont des structures psychiques qui sont fermées. Et le processus qui est à l'œuvre dans la création, c'est plutôt chercher une ouverture. En tous les cas, toute votre démarche m'a beaucoup intéressée. En ce qui concerne les offerings, j'ai trouvé intéressant aussi parce qu'on dit que ce processus de rassemblement, c'est pour créer de l'unicité, rassembler la structure psychique. Et l'offering viendrait dans un deuxième temps. Ça me questionne parce qu'en général, ces œuvres-là, ils les gardent pour eux, ils ne les distribuent pas, ils ne les vendent pas. Ça reste une question. Un deuxième temps possible où c'est une question. Ce que disait Christian, c'est il n'y a pas de réponse dans l'art brut. Et puis, je trouve que c'est intéressant votre posture parce que ça nous rappelle qu'est-ce qui nous intéresse dans l'art brut. Pourquoi est-ce qu'on est autant, c'est pas de la fascination, c'est un intérêt, mais sans jamais trouver de réponse, on est complètement en dehors des codes de l'histoire de l'art, enfin, même s'il y a des références en mathématiques. D'ailleurs, j'aimerais que vous interveniez. J'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est aussi notre perplexité face aux œuvres. Qu'est-ce qui nous intéresse? Christian, tu es dans cette démarche. Il y a quelque chose sans réponse. Voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé votre démarche. C'est gentil, je ne sais pas si ça appelle un commentaire de ma part, sauf à rougir en plus de dégouliner. Mais merci.
j'insiste vraiment sur cette capacité de, qui m'a été offerte par Christian, de découvrir un artiste qui agglomère des choses, qui nous renvoie à l'idée qu'on se fait de la connaissance en réalité. Parce que ce qui est très beau dans ce travail, mais c'est vrai pour beaucoup d'artistes de l'art brut, c'est qu'il va chercher avec une grande acuité, une grande je dirais finesse, des éléments qui renvoient chacun à des domaines différents. Le mathématicien va, et on a eu des gens qui venaient dans l'exposition dire mais non, mais ça on a envoyé à des étudiants qui ont fait des études bien supérieures aux miennes, amis de Selma qui travaille à la galerie, qui ont dit ah mais ça c'est exactement ce que tu disais, c'est la suite de trucs, c'est, etc. Et c'est très beau parce que effectivement il va chercher toutes ces choses, mais il en fait quelque chose de totalement différent et qui nous réunit. Finalement, moi, ça me permet de discuter avec un mathématicien. C'est ça qui est une démarche, et vous le soulignez très bien. On n'est pas chez quelqu'un qui est fermé et qui le fait que pour lui. Et qui va, c'est aussi cette dimension de générosité. C'était l'idée que ça sortait de l'atelier. Et je reviens sur le terme d'alchimie qui a été prononcé. On est dans quelque chose d'alchimique au sens symbolique. C'est que là, on est dans un travail de la nuit. On imagine, je sais pas. Alors, on ne sait pas s'il travaillait vraiment dans un atelier, s'il travaillait dans son BM, dans son Volkswagen, dans son. J'aimerais bien, mais non. Et puis, là, on imagine ce mouvement. Là je le décris symboliquement. Je ne sais pas comment ça se passait réellement, puisqu'on a peu de traces de ça. Il sort pour dire j'ai quelque chose, j'ai un objet de transition à soumettre qui est le résultat de mes recherches nocturnes pour un peu symboliser tout ça. Et on est vraiment dans la posture de l'alchimiste qui cherche la clé, qui cherche l'objet parfait. Et donc, on est à nouveau là. On a convoqué l'alchimie, toutes sortes de choses qui. Voilà, de la transmutation, quelque chose qui nous dit la réalité n'est pas exactement comme on peut la cadrer, mais en réalité, elle est soumise à des lois qui sont où l'observateur est lié. En réalité, j'ai envie de dire ça parce que là, ça nous renvoie à la physique quantique. Je sais qu'on ne peut pas tirer ce fil à cette heure-ci et qu'il fait beaucoup trop chaud. Mais ce qui est très beau quand on fait ce mouvement-là, c'est qu'on se rend compte que la science aussi pose des questions aujourd'hui, je disais un mot là-dessus à Christian tout à l'heure, qui sont totalement ahurissantes pour nous. Et là, je vais rejoindre ce que vous disiez en termes de générosité, qui sont ahurissantes d'imagination dans le monde physique, le monde de la physique, qui posent des questions à des plasticiens, des commissaires ou tout un tas de professionnels de l'art qui sont bien au-delà des choses que nous-mêmes serions capables d'inventer ou d'imaginer avec des artistes. Et c'est là où, pour moi, certains scientifiques, même s'ils s'en défendent, et beaucoup s'en défendent, je ne sais pas si tu as ce sentiment, mais j'imagine que oui, je le sais, beaucoup de mathématiciens, beaucoup de scientifiques refusent même l'idée d'imaginaire dans leur travail. Pour eux, c'est presque une insulte. J'exagère, mais enfin, je veux dire... Non, bien sûr, mais j'ai... Il y a quand même une phrase célèbre d'Einstein qui disait que l'imagination était supérieure au savoir. Absolument, absolument. Mais... quand même, les plus grands d'entre eux sont capables de repasser ce cadre... C'est ce que je pense. Est-ce qu'on sait s'il apprenait quelque chose de ses dons, de ses offres? On ne sait rien. Si, non. C'était un acte d'une gratuité totale. C'est un don, un offering. C'est comme ça qu'il les désignait. Donc et je crois qu'il y en a quelques-uns qu'on peut faire circuler un peu dans l'assistance pour que vous voyez un petit peu. Là aussi, ce sont des facsimilés, hein, qui de l'abîme de perplexité devant lesquels ça devait plonger les gens qui sortaient du supermarché et qui trouvaient ça sur le pare-brise de leur voiture. Et ou alors il les mettait sur les pare-brises de voiture, etc. Et voilà, donc c'était pas nécessairement parce que c'était pas une sollicitation. Et moi je voudrais juste revenir sur un point. Ce sont des copies d'offerings. Voilà. Christian, je voudrais dire un mot parce que oui. Je suis en désaccord avec tout le monde. Formidable, enfin. Bien. Donc, bien. Je voudrais dire un mot concernant la question de la psychose dont vous parliez tout à l'heure, la question de l'art brut. Et la classification de ces artistes. Tout à l'heure, je le disais vraiment en historien, cet artiste-là est dans un style de son époque et de son environnement. Les artistes qui étaient autour de la revue Semina, comme Cameron ou bien, qu'est-ce que je disais tout à l'heure, Wallace Berman, Bruce Conner et tout ça, c'est exactement le même style. C'est-à-dire que
vraiment pas un artiste seulement d'art brut. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit un artiste d'art brut. Il y a des caractéristiques, en particulier les grilles de nombres, qui nous font penser à cet univers-là. Mais je pense que c'est beaucoup plus une plongée hallucinatoire, volontaire. Et ce qui m'intéresse beaucoup, et justement par rapport à la question de la psychose et à la question de l'époque où on est dans une époque LSD, peyote, etc., c'est l'importance qu'ont pu avoir à cette période-là les psychotropes dans leur utilisation expérimentale, et pas festive, mais expérimentale, comme des travaux sur une psychose exploratoire indispensable à une recherche. Quand on fait un travail sur les mathématiques, quand on fait un travail sur l'alchimie, sur la cabale, on est forcément dans des travaux qui portent en eux la possibilité de l'hallucination. C'est-à-dire, c'est des travaux qui portent en eux le vertige. Et je pense que ce sont des exercices très conscients et assez déterminés sur le vertige. Et je préférerais qu'on le voit de ce côté-là, au fond, que du côté de la psychose et de ce côté communautaire auquel je suis sûr qu'on trouvera sa trace dans ce groupe-là, plutôt que du côté de l'art brut. Voilà. C'est très probable. Simplement, ce n'est pas la forme qui le désigne comme tel, c'est plutôt la nature du processus qui est à l'œuvre. Je veux dire, les artistes dont tu parles étaient des artistes, c'est-à-dire autoproclamés, c'est-à-dire qui revendiquaient le statut comme tel. Là, ce n'est pas exactement le cas. Et j'ai envie de dire, tout à l'heure, j'avais envie de rebondir sur cette question de l'artiste. J'ai presque envie de faire l'analogie avec ce qu'on appelle dans le droit une arme par destination. J'ai l'impression que John Eurocamp était un artiste par destination. Voilà. Donc, de toute façon, l'intérêt n'est pas tant de savoir... Parce que là, en l'occurrence, je veux dire, on est dans une posture du champion, c'est-à-dire que c'est nous qui décrétons à un moment donné, c'est le regardeur qui décrète. Et c'est la grande différence. Tout à l'heure... dans une intervention, ce qui permet de catégoriser souvent ces artistes-là, même si le terme est impropre, pas toujours recevable, etc., peu importe, mais bon, c'est par commodité de langage, on va dire qu'on, si on décide à un moment donné qu'on est quand même davantage dans la sphère de l'art brut, c'est bien parce que le mode opératoire est quand même distinct. Et c'est pas tant la forme, parce que le spectre formel, finalement, on s'est rendu compte qu'il est aussi large que partout ailleurs. Donc c'est plutôt... Oui. Permets de. Tu connais ça beaucoup mieux que moi. C'est juste. Je te pose une question simplement pour vérifier quelque chose. Au fond, très souvent, il y a eu des remarques qui ont été faites par des historiens ou des philosophes sur cette question de l'art brut, en disant, au fond, l'artiste brut, c'est celui qui est sourd à l'art des autres. Et c'est parfois vrai. C'est celui qui mène son œuvre en relation directe avec son inspiration céleste. Et qui, alors, là, on n'a pas l'impression d'être dans ce cas-là. Oui, mais là, quand on fait ce type de raccourci, on romanticise un peu. Voilà, on romanticise un peu parce que Dubuffet, très vite, qui est un peu le premier théoricien et pamphlétaire, j'ai envie de dire, de la question, à peine 15 ans après avoir... émis ses hypothèses sur ce champ de l'art qui n'était pas sur les radars, s'est quand même très vite rendu compte que l'un de ses critères les plus opérants, qui pour lui était très opérant au milieu des années 40, c'est-à-dire l'exemption prétendue de culture, était quand même une énormité. Et c'était une énormité, je veux dire que personne ne peut totalement s'abstraire. Et probablement, tu as raison sur un point, c'est que John était... un type de son époque, était en plus, je pense qu'on peut le localiser géographiquement et culturellement et historiquement, clairement. En revanche, la seule différence, effectivement, avec certainement tous les artistes que tu cites, dont que je ne connais pas tous, mais je suis assez persuadé qu'ils n'ont pas attendu les commentateurs que nous sommes pour nous dire ce qu'ils avaient... tenter de nous transmettre ou avec quoi ils avaient cherché à nous émouvoir. Tandis qu'avec John, on est un peu devant cette situation. Pardon, excusez-moi. Je posais juste la question dans quelle mesure on est en train de projeter quelque chose, des sentiments, énormément de choses en fait, là-dedans. Uniquement parce qu'il s'agit de mathématiques, dans le sens où tout à l'heure vous aviez dit qu'il connaissait les décimales de pi sur des milliers.
Est-ce qu'on le sait ou est-ce que c'est, il a très bien pu les recopier également? On le sait parce que c'est Aram Muxian qui en témoigne, donc c'est son ami. D'accord. Et on sait qu'il apprenait. Mais bon, ça, je dirais, c'est à nouveau, c'est pas forcément une explication parce qu'il y a tout un tas de gens qui apprennent des décimales de pi par plaisir, par défi, par voilà, c'est juste un indice en plus. Mais il en a fait des œuvres. En tout cas, il en a fait des tableaux avec ses décimales, etc. Voilà, non, parce qu'en fait, la chose à laquelle je pensais, c'est si mon enfant m'apporte des soupes qu'il a fabriquées avec des cailloux et de la craie pilée, je ne vais pas la montrer à un critique gastronomique. Si mon enfant ça m'est arrivé d'ailleurs, mon enfant de 6 ans m'a amené une feuille recouverte de formules mathématiques, je la regarde. Bon, il s'avérait qu'il avait recopié une œuvre de Laurent de Robert, donc, mais... Et il paraît qu'il l'a vendue aux enchères. Il en a tiré des milliers d'euros aux enchères, oui, paraît-il, oui, en plus. Il avait laissé traîner. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que parce que c'est les mathématiques, je vais le regarder. Oui, alors c'est une excellente question, sauf que ce n'est pas que des mathématiques, justement, c'est ce que j'essayais de dire. Si, je dirais que je serais passé au travers si son travail n'avait été que la suite de chiffres, enfin, que les piles de chiffres et tout ça. Mais je disais au début, pour moi, il y a eu une espèce d'évidence graphique. Alors, je ne veux pas employer pictural parce que ça serait fou en termes d'analyse, je dirais... technique, on est plus proche plastique, voilà, on est plus proche d'une forme de graphisme. Mais j'ai tout de suite trouvé que dans certains de vibrations de ses traits, dans un certain nombre de choses, et puis derrière ce mur, dans le petit cabinet que j'ai essayé d'inventer comme ça autour de son travail, il y a un portrait notamment qui est une œuvre absolument magnifique, qui est strictement là pictural, en tout cas graphique. Et ça a été une des œuvres aussi qui ont déclenché vraiment cette fascination pour le travail. Parce qu'il y a un plaisir esthétique dans ces compositions. Et on sort des mathématiques. Enfin, comme il y a évidemment un plaisir esthétique aux mathématiques, il y a la beauté, la justesse, et comment est le terme L'élégance, évidemment. L'élégance de la formule, c'est-à-dire qu'on peut faire une bonne équation, mais si on fait l'équation élégante, elle a... Et donc, ce n'est pas absent des mathématiques, l'esthétique. C'est absolument fascinant, cette dimension-là. Donc, à nouveau, vous venez de tirer un trait. Voilà, on continue cette espèce de cheminement orbital autour de ce qu'il propose. Donc, pour moi, c'est pas des maths... Enfin, c'est une partie de la... C'est une partie du propos, évidemment. Il a usé des nombres, mais il a écrit des poèmes. Il s'est aussi servi des mots. Il s'est servi de tout un tas de choses qu'il avait sous la main dans une économie. Alors, c'est là que je trouve la beauté de ce travail, esthétiquement. C'est dans une économie de moyens qui est assez étonnante. Des crayons à papier... À un moment, il semble tomber sur une boîte de feutre, des papiers qu'il récupère, et ce qui est évidemment compliqué d'un terme muséographique, en tout cas pour le commissaire que je suis, c'est que beaucoup sont recto verso, beaucoup ont été mélangés, donc il y a certainement des morceaux qui sont connectés à d'autres, mais l'ampleur de la tâche est immense, parce qu'il faudrait presque tout numériser pour reconstituer certains puzzles, en fait. Donc, on a mis dans le thème de la table ronde mathématique, c'est une partie du problème, enfin, en tout cas du sujet, mais il y a d'autres choses. Il y a un rapport aux couleurs, il y a un rapport à des formes géométriques qui sont évidemment liées aux mathématiques, mais il y a des compositions de pages qui sont tout à fait singulières. Et le pas, on a dans l'entrée là-bas à droite un pas qui peut faire penser au pas de l'homme sur la Lune. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de... On n'a aucune explication sur ce dessin, par exemple. C'est vraiment une œuvre puissante, je dirais. Il y en a derrière ce mur qui sont vraiment très, très puissantes. C'est ce tableau, et ce qui m'a fasciné avant même de regarder la suite de chiffres et d'essayer de comprendre ce que ça signifiait, c'était la beauté plastique de sa calligraphie. C'est quand même extraordinaire, cette écriture, la régularité de ces chiffres, comme vous dites, très simple, extrêmement simple, mais très beau. Je suis d'accord avec vous, et pour moi c'est certainement lié, alors on ne sait pas ça du tout, mais peut-être lié aussi à l'époque, c'est l'époque...
où on va s'intéresser à des musiques d'autres civilisations, enfin en tout cas d'autres continents, aux États-Unis, où la répétition, le mantra, etc., sont aussi des vrais terrains de renouveau de la musique. Donc je pense que, on ne sait pas ce qu'il écoutait comme musique, par exemple, mais je pense qu'il y a, si on le sait à un moment, il faudrait demander à Aram, en fait, mais il y aura forcément des choses aussi à voir de ce point de vue. Effectivement, ce que je disais, c'est que c'est forcément écrit en rythme, enfin en rythme. Dans un, quelque chose qui conduit à un rythme et à une, j'emploierai pas le mot de transe, mais en tout cas dans une, à quelque, une scansion, oui. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, tu soulignais l'aspect du mantra et probablement qu'il y a quelque chose dans ce registre-là et qui renvoie encore à une sorte d'extase ou une dimension que je dirais religieuse, quoi, débarrassée de l'oripeau du culte ou de mais oui, il y a une dimension religieuse, c'est-à-dire que ou cosmique, disons cosmique, il y a certainement une dimension cosmique. Tout à l'heure vous avez parlé de schizophrénie. Moi personnellement, quand je regarde cette œuvre là particulièrement, ce qui me frappe, peut-être parce que c'est dû à mon expérience, ça relève de l'addiction. Il s'avère que j'ai rencontré un certain nombre de gens qui avaient des addictions diverses, des patients. Et on se retrouve dans des chambres d'hôpital avec des types qui, ou des femmes, pardon, qui dessinent à l'infini, ça n'arrête pas. Ou d'autres qui font malheureusement d'autres choses aussi. Et l'addiction est souvent symbolique d'un vide et le remplissage de chiffres, de dessins est très très important chez ces gens-là. Donc tout à l'heure vous parliez de soins. Alors ils sont pas forcément conscients qu'ils sont dans un système de soins, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que du coup, il est rentré dans un système qui n'était pas commercial, où il avait besoin de ses petits papiers pour pouvoir parler aux autres. Et, enfin, je ne sais pas vous ici, mais moi, par exemple, je n'ai aucun talent créatif et j'adorerais pouvoir me libérer de... Parfois, on dévie un petit peu, mais la libération que doit pouvoir être... là, on part dans l'infini, dans l'excès, etc., la libération que parfois la parole ne nous autorise pas parce qu'on n'est pas capable de la maîtriser. Et voilà, ce travail, je pense, a dû être, même s'il est l'œuvre de toute une vie, alors j'ai cru comprendre que c'était l'œuvre de toute une vie, avait peut-être été beaucoup plus libérateur et beaucoup plus positif que ce que je trouve vous en avez dit, même si vous n'êtes pas resté dans le négatif. Mais je lui souhaite que ça lui ait fait du bien. Et je pense que ça lui en a fait. Alors, à nouveau, c'est une piste, je trouve, qui est très, très intéressante et que j'abonde à 100%. Mais je me rends compte que j'ai totalement échoué dans ce que j'ai dit parce que j'ai vraiment fait de mon mieux pour dire à quel point c'était extrêmement positif et à quel point c'était une œuvre qui justement nous permettait d'aborder des choses très riches, très complexes et qui nous concernent fondamentalement. Je veux dire, là, on n'est pas dans la... C'est un artiste qui évite la posture en réalité parce que soit vous passez au travers, soit si vous commencez à mettre le doigt dedans, forcément, ça va aller vous chercher sur des choses qui vous concernent intimement et ça, c'est ce qu'on cherche tous à faire dans notre vie, c'est à tomber sur des choses qui vont nous toucher profondément, nous déplacer, nous remuer de l'intérieur. Donc voilà, bon, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit, et c'est d'un point de vue extrêmement positif sur l'artiste, et pas du tout, il n'y a rien de négatif en réalité. Et j'espère surtout que lui a été heureux de... Pour ce type de personnalité, il est très probable que, comme pour les mystiques, c'est quelque chose qui les conduit justement à une sorte d'état d'illumination. Et donc, je ne crois pas que ce soit perçu ou apercevoir comme quelque chose de négatif. Ceci dit, tout à l'heure, vous avez pointé quelque chose, c'est une porte qu'on n'avait pas encore véritablement entrouverte. C'était l'addiction et puis cette pratique pour combler un vide.
Non, je n'ai pas parlé d'Aurore Vakoui. Hein. Je n'ai pas parlé de ça. Justement. Et des mathématiciens, encore pire. Mais il suffit de regarder un tableau de mathématiciens, il n'y a pas un millimètre de conservé. Je voudrais y revenir. D'abord, je crois que tu as dit un mot qui est finalement un mot beau et très juste par rapport à son travail, c'est celui de mystique. Je pense qu'on est quand même très largement du côté de la mystique. Et par contre, je voulais juste souligner une petite chose, parce qu'à plusieurs reprises, Madame a parlé, toi aussi tout à l'heure, mais après tout, il ne faisait pas ça pour vendre, il ne rentrait pas dans le monde de l'art. Sincèrement, en Californie, le monde hippie de cette époque-là, il n'y avait pas de marché de l'art, ça n'existait pas. Donc de toute façon, aucun de ces artistes-là ne travaillait autrement qu'en poète et en utopiste. Voilà. Oui, même s'il avait eu la velléité, de toute façon, il n'y avait pas les instances. Ouais. Obsession dont parle la dernière intervention, est-ce que ça relève un peu aussi de quelque chose qui relèverait un peu de l'écriture automatique, enfin à la limite d'aligner des chiffres comme ça avec une scansion, alors sans forcément un algorithme derrière qui va permettre de faire émerger une forme comme la pyramide, mais une espèce d'automaticité, enfin de même il y a eu l'écriture automatique, de même parce qu'il n'y a pas quelque chose qui relève un peu du surréalisme. Certain de ça, parce que quand on regarde vraiment son travail, on a l'impression qu'il y a peu ou pas d'improvisation en réalité. Alors je ne peux pas répondre sur les grandes séries de chiffres effectivement accumulés, mais pour moi, pour les avoir regardés de près, il y a très très peu de repentir, il y a très très peu de choses qui pourraient être, par sa transformation, sa proximité, en évoquer une autre ou des choses comme ça. C'est, au contraire, on a l'impression vraiment d'éléments à nouveau très séparés que lui réunit certains dessins, on le voit très bien, on ne comprend pas en fait le rapport entre l'un et l'autre. Et donc ça pourrait tout à fait être le cas de l'écriture automatique, effectivement avec l'expression de l'inconscient, mais c'est tellement soigneux que ça ne me paraît pas être fait dans une forme d'urgence, de précipitation, de nécessité d'accomplir ou de solliciter comme ça le hasard, ou en tout cas je dirais l'abstraction du corps qui laisserait l'inconscient s'exprimer. Moi j'ai plus l'impression qu'il y a une réelle sérénité entre guillemets, enfin c'est-à-dire un calme, et que ce sont au contraire des choses très synthétiques et non pas expansives. C'est au contraire des choses qui synthétisent une pensée qui est plus complexe. Donc ça n'irait pas dans le sens d'écriture automatique pour moi. Fini. Fini. Donc.